على ربى الأمس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بما يو توا السلام عليكم. Aujourd'hui on est back avec Rida Zer avec les vlogs. Wesh, tout le monde me disait ouais frère, tu devrais faire plus de vlogs, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui on est back, donc là on est dans mon bureau, mais on fera pas une vidéo dans mon bureau, Inch'Allah. Direction la montagne, on va même passer une nuit là-bas. En fait, je vais conduire jusqu'aux États-Unis, au Vermont, on va rester une belle petite place dans la nature et tout avec les frères. Et ouais, suis-moi dans ma journée. Et oublie pas de liker la vidéo et abonne-toi. Bismillah, let's go. Sabah el khair. Oh, il y a du bruit. Sabah el khair. C'est moi qui dois ramasser tout le monde. Ok, c'est moi le driver. Là, je vais aller chercher Ramadan. Après, Ibrazer va venir. Je sais pas si vous rappelez. Il y a trop de bruit, man. Sabah Rabbi. Ça veut rien, bro. Tout le monde est dehors, dans la street. Le gars, il a un truc. To call, please enter the number and then press. On l'a pas trop, yo. Welcome, please come in. Yes, green. Après, on va aller chercher Ibrazer. Si vous vous rappelez d'Ibrazer. Sunna, c'est toujours cogné trois fois. Aïko, brother. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, frérot, aujourd'hui c'est ton premier jour comme assistant. Hein? Ibrazer. Bro, tu m'as déjà fait le café et tout. Je le paye pas, il le fait gratuitement parce qu'il aime tellement, Oh, coffee. Oh, c'est ça justement comment je fais. Ta tête, frérot, c'est pour moi. Ouais. Café, yo, 7h du matin, on se voit. Un peu de vrai sirop d'érable. Même dans l'espresso shot. Ben oui, bro. Comme ça, ton sucre est naturel, ça vient direct du tronc de l'arbre. Attends, là, tu mousses ton espresso. Ouais. Oh, ça a l'air tellement nice sur la caméra. Explique, t'as bien dormi? Yo, comme 4h55. C'est ça ce que mon whoop m'a dit. Okay. Mon whoop, c'est ça le whoop. Whoop, s'il vous plaît, sponsorisez-moi. Bien commencer la journée avec un café. Vous me connaissez, moi je suis un addict. Merci Ramadan, barakallah fik. Bismillah. Wow. Les perfect. Combien de shots d'espresso? Double. Déjeuner qui est là. Ibrazer dans la street, trop. T'es back, tu vas même pas ramener de céréales, trop. Bon, y'avait pas assez. Oh, c'est même pas des céréales, c'est du oatmeal, freaking beans, bro. Wow. C'est mieux que des céréales, bro. T'es prêt ou quoi? Yeah. Oh, protein shake, oh yeah. Yo, tu dois partager, frère. Load the truck, brother. I don't like your tone, bro. On a eu une nouvelle addition, le père des Arabes. Il est venu de dernière minute, il nous a retardé d'une heure. What? C'était le dude. Get out of here. On est une heure, on arrive, Inch'Allah. On doit juste passer la frontière. Alors ça, c'est nous, la famille. Road trip, baby. Woo! Ibrazer, t'es de retour. Oh, yeah. C'est quel chandail ça? La Colombie. Qu'est-ce que t'as à dire à tes abonnés, quoi? Alors, choisissez mieux vos amis. Vous montrer un peu c'est quoi les saveurs ici à Montréal. On a ici saveur de goudron et swamp. Qu'est-ce que tu fais à côté de la bière, bro? Oh my god, c'est Reda Zer! Moi je suis 6 pieds 2 et Reda, Allahumma barik, on se met à côté. Mashallah! Ouais, 6 pieds 3. Les douanes américaines. America, the land of the free man! American number one! Lui, c'est sûr, il passe pas. J'ai passé plein de fois. Toi, c'est sûr, il est très en secondaire, frérot. Et on va commencer la montagne aujourd'hui. Maintenant. Écoutez, je vais commencer le vlog. Ok, alors je vais vous montrer ici aujourd'hui. On va commencer le hike. Ça s'appelle MT Passag South Trail. Ok. Bouge. Les gars, il sait même pas lire, frère. Oh, t'as figé. Oh, yo, je le veux. Ça a gâché mon hike. Yo, je le veux, donne-le-moi. On commence, bismillah. Non, le tien est vraiment pas nice. Pour vrai, lui d'Hussein est vraiment meilleur que le tien. Mon frère. Non, il est pas. Montre-nous le tien. Il est vraiment nice, bro. Yo, check la qualité, comment elle est incroyable. Check avec le verre. Je cache ton gros. T'inquiète pas, je cache ton gros ventre, frérie. Comment la qualité. Oh, Inch'Allah, ça c'est beau. T'as vu le nour que t'as? Tu l'as pas en vraie vie, c'est la caméra qui le fait. Oh, yeah. Bon, moi j'ai pas besoin, ça c'est pour les faibles en passant. Les vrais hommes, ils ont pas besoin. On vient d'arriver au premier pic. C'est les diamants.
Ça, c'est une crotte. Les gars, ça, c'est bon pour la santé, apparemment. Fruitopic, s'il vous plaît, sponsorisez-moi pour la vidéo. Baraklafix. Tu me donnes ton choice? Okay, la vie est dure, frérot. Frérot, honnêtement, c'est pourquoi j'ai fait ça pour t'apprendre une leçon de vie. Tu dois payer encore plus. Exactement. Ça va, frérot? Tu vas bien? J'ai l'air de quoi? Quand je me regarde, ça me donne plus de motivation. Là, on va voir s'il va être capable. Il va essayer de courir, monter toute la montagne en courant comme ça. Boum, 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 jusqu'en haut. Vas-y mon frère, t'es capable. Bismillah. Boost, 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 boost. Come on, come on. Boost, 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 boost. Le meilleur moment de tous les voyages. Oh yo les gars, le wings are on. Et pourquoi t'as pris 4 comme ça des les meilleurs, les non, flats deux, bro, deux, j'ai deux. Des flats bro. Moi j'ai pris des deux. Frère, je pense pas c'est par là, je pense c'est en bas. Je pense que les toilettes c'est en bas frérot. Yo, c'est où les toilettes? Yo, mais c'est où les toilettes? Ok, ça c'est la maison. C'est la maison, on dirait on est dans The Hobbit, Seigneur des Anneaux. Ramadan, tu me montreras c'est où pour le chemin des toilettes? Je vous montre rien. Je vais vous montrer notre Airbnb. Salam alaikum. Ça va frérot? Ah mais c'est un fou Airbnb. Yo, il est magnifique frérot, on a de l'électricité pour comme 6 heures. Mais la place pour prier. Regarde, on a un lit, sofa plus qu'un lit. On a ici le pompe pour l'eau, comme ça. Tu pèses dessus, t'as de l'eau. Tu vois, c'est déjà bien, on a de l'eau. On a une super vue ici. Ça, c'est mon lit. C'est le mien maintenant. Non, t'es fou. C'est ça, c'est fini. Ça, c'est l'Airbnb au complet. Frère, ça, on dirait vraiment des trucs dans The Hobbit. Oh, je suis en train de me faire manger par les moustiques. Yo, tu l'as trouvé, les toilettes? Yo, t'es un génie, frérot. Regarde, frérot. Ça, c'est l'émir, malheureusement. Salam alaikum. Frère, émir par choix, mais par respect. Je voulais juste te dire que, parce que toi, t'as deux matelas, et nous aussi, on a deux, on doit split, soit on va faire un coin. Lequel qui va donner? Ben oui, frère. Émir, c'est lui qui dort sur le mur. Je dis émir par respect, pas l'émir. Salam alaikum, la famille. Donc là, je suis de retour à la maison, dans le studio. Ben, studio, on appelle ça comme tu veux, où je fais mes vidéos d'habitude. J'ai déposé les gars, ok, après ce petit voyage de une journée, deux journées, ce petit vlog, et un truc que j'ai pas mentionné, parce qu'on a eu des moments, alhamdoulilah, des bons moments, hors caméra, que j'ai pas filmé mais on a prié toutes nos prières tu vois, et je voulais juste dire un truc important, c'est vraiment l'importance de choisir bien ses frères, ses amis, ses soeurs, son entourage, c'est très très important. Alhamdulillah, moi j'ai un très bon entourage, ok, c'est des frères en or, alhamdulillah, et on a tous prié ensemble. Il y a personne qui disait on prie, moi je prie pas, tu vois des trucs comme ça, ou bien des genres de mauvais vibes, ou bien c'est très important de choisir ses amis, des gens qui te veulent du bien, qui te rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont vraiment une énergie positive autour de toi et un impact. C'est tellement vrai, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit tu vas être sur la religion de tes amis, de ton entourage frérot. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Alhamdulillah, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Là, je suis rentré chez moi et je me suis dit waouh. Il y a des gens qui traînent plus avec leurs amis que leur propre famille, tu vois. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Donc choisis des gens qui sont proches de Allah subhanahu wa ta'ala et qui font pas des trucs qui vont t'amener des trucs négatifs le jour du jugement dernier. Je voulais juste faire ce petit message. Là, je suis revenu. Laissez-moi savoir si vous voulez plus de vlogs, you know. Mais c'est ça, alhamdulillah, c'était un bon petit vlog. Bon, je vous ai pas dit, on s'est fait arrêter aux douanes parce qu'il y a 4 arabes dans une pause à SUV. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça. J'ai trop de problèmes avec les douanes ces temps-ci. Si vous voulez savoir l'histoire avec les douaniers, ils nous ont mis au secondaire, ils nous ont fouillé et tout. Bref, petite parenthèse. Frère, carrément, je vous ai pas dit, mais on m'a arrêté, on m'a mis en menottes. On m'a menotté, on m'a mis dans une prison, frère. Dans une cellule plutôt. Si vous voulez que je parle de cette histoire, laissez-moi savoir dans les commentaires. C'était Redazer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.